Bonjour, voici le jeu Qjet, un jeu de Wolfgang Reidesser, édité par la société Mobius en 2004. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de la boîte? Tout d'abord, la règle du jeu. Bon, je vous l'accorde, c'est pas facile à lire. Donc, je vais plutôt vous expliquer la règle. Vous avez pour commencer un plateau de jeu avec un côté pour 4 joueurs et l'autre côté pour jouer jusqu'à 6 joueurs. Vous avez également la possibilité d'emprunter deux parcours différents indiqués par des flèches vertes ou oranges. Voici les différents vaisseaux utilisés par les joueurs. Et chaque joueur a son propre paquet de cartes accompagné d'une carte supplémentaire appelée Charge Key. Tout ceci afin de gagner la course pour remporter le vaisseau d'or. Alors voici ce que vous avez, votre paquet de cartes et la Charge Key. À chaque tour de jeu, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez piocher 3 cartes au début, qui sont évidemment gardées secrètes. Vous jouez une carte et vous en piochez une autre. Ici, par exemple, le joueur bleu va jouer la carte numéro 4, 1, 2, 3 et 4 cases. Ensuite, le but du jeu va consister à être le premier à effectuer les 3 tours du plateau et à arriver en tête. Il est indispensable à un moment donné de s'arrêter ici dans les stands pour se débarrasser de sa charge key. Si on ne fait pas ça avant le troisième tour, on a forcément perdu la partie. Il arrive des fois des situations de blocage. Vous voyez, rouge ici est sur une case où il peut être que tout seul, donc blanc et noir ne peuvent pas passer. Si c'est à jouer, ils sont obligés de passer leur tour. Ici, la décision a été prise avant. Vous voyez, jaune est passé dans le couloir de droite, bleu et rouge dans le couloir de gauche. Ici, nous avons blanc qui est en tête, alors c'est un avantage, mais par contre le désavantage, c'est qu'il n'a pas le droit de jouer des cartes 6, qui sont les cartes maximum de déplacement. Il peut arriver des fois, comme c'est le cas pour jaune, 1, 2, et j'ai perdu parce que j'ai plus de cartes pour passer la ligne d'arrivée. Le but du jeu étant le premier qui passe évidemment la ligne d'arrivée et qui gagne le vaisseau d'or.